Qu'importe les critiques, eux supporteront toujours les Bleus. Eux, ce sont les enfants. Les plus petits ont 5 ans et sur la pelouse du club de Massy, ils essaient de plaquer comme Aurélien Rougerie, de crocheter et de déborder l'adversaire à la façon de Maxime Médard et de Vincent Clerc. Pour faire comme l'équipe de France en fait. Hein. Des fois, je pense à ce qu'ils ont fait une action et j'essaie de la refaire. On était comme, tous ensemble comme l'équipe de France contre l'Angleterre. Ils montaient tous et du coup, ils n'arrivaient pas à avancer. Pour l'instant, aucun chiffre n'a pu être encore établi, mais à Massy, dans la banlieue parisienne, l'engouement est certain. Et le club connaît une hausse significative de ses licenciés. Il y en a beaucoup qui viennent en ayant déjà un peu les idées à la Coupe du Monde. Et ils ont bien vu regarder les matchs et il y a un attrait pour le rugby qui est grandissant. On doit avoir 60 enfants en plus, donc on est autour de 260. En général, on démarre la saison autour de 200. Dimanche, les parents vont devoir surveiller leurs petits champions, histoire d'éviter un plaquage théâtral de leur télé en cas de victoire française sur la Nouvelle-Zélande.